Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé un certain nombre de centaines de fois, de trop de fois, et j'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, de vous la faire, mais un petit peu différemment. Donc là on est déjà sur un week-end, puisqu'aujourd'hui je pars donc au Mondial du Lion à Angers, donc au Mondial du Lion d'Angers pardon, qui est en fait le championnat du monde pour les jeunes chevaux, donc 6 ans et 7 ans en complet. Donc vous savez que j'adore le complet, et voilà, je suis trop ravie de pouvoir participer, enfin pouvoir aller voir cet événement. Vous êtes nombreux aussi à y être. Du coup, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer pour la même occasion. Et je me suis dit qu'au lieu de vous faire un vulgaire petit vlog du week-end, blablabla, ce serait sympa de vous animer ça un petit peu avec mon téléphone, avec Instagram, puisqu'aujourd'hui et ce week-end même, c'est vous qui décidez de mon week-end et par la même occasion de celui de ma maman qui m'accompagne. Donc, je vous pose des questions sur Instagram via les sondages auxquels vous répondez. J'en ai déjà posé une à l'heure où je vous parle, et j'attends la réponse des sondages. Comme ça va rythmer un petit peu notre week-end. Je vais vous montrer par la même occasion tout ce que je vous mets en sondage, voilà ce qu'on fait, les petites choses que vous choisissez. Je pense que vous allez être un petit peu filou, donc j'ai hâte de vous faire ça, et c'est parti. Bon, ça y est, on se retrouve pour vous tout de suite, mais pour nous un petit peu plus tard. Je vous ai laissé le temps de vous réveiller, il est que 8h30, et de répondre au sondage. Donc vu que je suis en voiture avec ma mère, je me suis dit que ce serait sympa pour vous de vous laisser le choix de ce qu'on allait écouter comme musique. Et vous avez eu le choix entre Kery James ou Céline Dion. Donc en gros, soit un artiste qui me plaît à moi, à savoir Kery James, soit Céline Dion pour maman. Tabadam, 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 tabadam. Et on y écoute Céline Dion. Oh yes. Ouais. À 60%. De toute façon, je vous mets la réponse du sondage directement dans la vidéo. Et c'est parti. Rien qu'on est abandonné, s'il suffisait de penser à nous. Quoi? Allez, on se réveille. En douceur. Les forêts de chemin de rêve, l'éternité. Bon, du coup, je sais pas si vous m'entendez, on est dans un bus. Parce que je vous ai demandé justement si du parking on allait en bus ou à pied, sachant qu'il y a une navette en fait qui emmène du parking directement au Mondial du Lion, et à pied c'est un petit peu loin. Et vous avez été gentil et pas trop filou, puisque vous nous avez dit d'y aller en bus. Donc nous voilà dans le bus direction le parc, enfin le Lion quoi. Petite journée. Là, l'épreuve des 7 ans a commencé et je me suis pris à manger ce qu'ils appellent un kebab magnifique. Et je vous ai demandé, est-ce que je mangeais avec cette petite fourchette là ou est-ce que je mangeais comme une grosse porc, à savoir avec les mains. Et vous avez été géniaux et vous êtes tous des gros cochons, puisque tout le monde m'a dit de manger avec les mains. Donc c'est le moment dégustation. Le kebab à la main. Je suis ravie. Je pense que c'est la scène que vous avez préférée de la vidéo. Le moment où on me voit manger. Mon kebab à la main. Bon, en soi, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Mais je trouve ça plus marrant parce qu'avec une fourchette, on va pas se mentir, c'est quand même plus pratique pour les pommes de terre et tout. Voilà, je suis sur une crosse et je mange mon kebab à la main. Ah. Nickel. Je suis en train de marcher pour les autres obstacles de crosse. Et je mange ça en galère parce que j'ai même pas ma main droite pour manger vu que je tiens la caméra. Je vous aime, je vous aime. Je vous fais une update. Du coup, je vous ai
demandé, là je suis à l'autre bout du poste. Je vous ai demandé si j'avais le droit d'aller rejoindre ma copine Juliette qui est en train de prendre des photos juste par là. Donc Juliette Ouzin avec qui j'étais à Brahman, bref. Et vous êtes super gentil parce que j'ai le droit d'aller la rejoindre, donc je vais passer la voir. J'ai retrouvé Juliette. Une haie nous sépare. Mais on sera plus fort ce soir. C'est oui, la soirée sera finie. On sera en forme ce soir. Bon, cette fois, on se retrouve à l'hôtel, enfin au motel que j'ai avec ma maman pour ce soir, qui est un petit motel tout mignon, 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 voilà, ça nous suffit largement. Et je vous ai posé une nouvelle question en sondage Instagram, je vous ai demandé, est-ce que ce soir je vais dormir ou est-ce que ce soir je sors? Et à la grande majorité, vous m'avez dit de sortir, donc je m'exécute, pour mon plus grand bonheur bien sûr. Du coup je vais rejoindre Juliette, il y aura Quentin, il y aura un petit peu tout le monde et pas mal de gens aussi qui étaient avec nous à Brahman, donc c'est cool de les revoir. Et il y a une soirée qui est organisée par directement le Mondial du Lion, donc on va aller se retrouver là-bas, ça va être chouette. Voilà, je me suis un peu apprêtée, enfin pas trop non plus, en jean noir, chemise basique, simple, efficace, et je vais essayer de passer cette soirée là. Du coup voilà, je vais pas prendre ma caméra parce que c'est tout simplement, j'ai peur que ça m'encombre, mais je prends mon téléphone et je pense que je vous glisserai quelques petits plans de la soirée, de ce qui se passe un petit peu, pour vous tenir au courant. Du coup on se retrouve le lendemain matin, enfin c'était juste après la soirée pour vous, et ce matin je vous ai posé une petite question à savoir si je devais prendre un mini petit déjeuner ou un maxi petit déjeuner au McDo. Vous avez été super sympa parce que vous m'avez dit de prendre un maxi petit déj et j'avais trop faim. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. On commence par un chocolat chaud évidemment, un jus d'orange, là j'ai pris un espèce de hamburger McMorny, pardon, des pancakes avec du Nutella. Et oui j'ai déjà commencé, mais regardez comment ça donne trop envie. Merci. Du coup on se retrouve maintenant dans la voiture, on vient de partir parce que je dois aller m'occuper et sortir Pépère et il est déjà presque 13h30 je crois. Du coup voilà, le temps de faire la route, on sera arrivé vers 16h à la maison, et après moi le temps de reprendre la voiture pour aller monter Hypercute, bref c'était plus raisonnable de partir à cette heure-ci. Du coup je vous ai posé une autre question, j'étais un peu malée dans les stands et j'ai craqué pour un petit pull de couleur taupe, je vous mets la photo du sondage juste là, et vous m'avez dit de le prendre, donc encore une fois merci. Franchement je pensais que vous allez être un peu plus philo avec moi pendant toutes ces questions, mais non vous avez été plutôt sympa. Du coup je l'ai pris, je vais vous le montrer. C'est un petit pull comme ça, vous savez, que la marque avec la grosse poche au milieu. Mais là c'est vraiment un pull, et en fait tout l'intérieur est en polaire, il a l'air hyper chaud. Je l'ai pris en taille 3 parce que je voulais qu'il taille grand pour être à l'aise. Et encore je le trouve un peu court, il y a deux poches sur les côtés. Enfin voilà, une capuche et tout, il est trop cool. Merci. J'y suis, je vous montre ce que j'ai acheté d'autre. J'ai racheté des bandes de travail. Donc vous savez c'est des bandes qui sont élastiques et polaires de chez Eklin. C'est vraiment mes bandes préférées. C'est la troisième paire que j'achète. J'en ai des bleues, j'en ai des grises, et maintenant j'en ai des marrons parce que je ne mets plus que des bandes à Hypercute à cause de ces tendons. J'ai plus le droit au Protec, en tout cas pour les intérieurs. Du coup voilà, je lui mets que des bandes comme ça, et j'aime trop le fait qu'il est élastique. Je trouve ça trop confortable pour lui. Voilà, pour être libre du mouvement et pour sauter, je pense qu'elles vont être vraiment bien. Du coup, je lui mets aussi des bandes en saut. Donc voilà, pour les concours, pour la maison ensemble et tout, j'en ai pris en marron. Je les ai achetées chez Cheval Shop et elles m'ont coûté 25,90€. C'est là où je les ai trouvées le moins cher comparé à Horsewood où elles étaient à 28,90€, je crois, en tout cas sur le stand.
Donc voilà, si vous cherchez des bonnes banques de travail, je vous conseille vraiment les Killin. Bon, elles sont pas données parce qu'il y en a que deux dans le sachet, mais moi j'en mets que sur les intérieurs, donc ça me va très bien. Ensuite, dernier petit truc, j'ai complètement craqué sur une ceinture de chez Flags & Cup. Vous savez, c'est les ceintures élastiques là, tressées, et elle est en couleur orange, et du coup ça c'est ma maman qui me l'a offert. Elle était à 24,90€, mais je pense que vous pouvez la trouver moins cher peut-être ailleurs. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos s'il y en a qui aiment bien. Je pense qu'il y a plein de couleurs, mais voilà, vous connaissez ma passion pour le orange, et je trouve qu'en petite touche sur une tenue toute marron, toute noire ou quoi, bah voilà, ça ira bien avec le reste de mon ensemble. Donc voilà, on complète petit à petit cet ensemble marron et orange que j'adore et que vous aimez aussi beaucoup beaucoup. Et là on est parti pour rentrer à la maison, mais la vidéo s'arrête pas puisque on continue le week-end, et je vous montre aussi ce que je vais faire avec Hypercute, et je vais vous poser des questions et tout ça. Voilà, à tout de suite. Bon, me voilà arrivé au cheval, et je vous ai posé une question juste avant de partir, à savoir si j'emmenais donc mon copain avec moi aussi, je le laissais à la maison. Et il est là, il est content d'être là. Du coup, ouais, voilà, vous avez voulu qu'il vienne avec moi au cheval, mais risque et péril. Donc il est là.